Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et merci pour les commentaires. J'ai eu un commentaire où quelqu'un me disait en fait que la chaîne est d'utilité publique pour la communauté francophone de Parfum. C'est des commentaires en fait qui font vraiment très plaisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la ligne Aventus des parfums de Creed. Le parfum Creed Aventus. Célèbre parfum. Et je vais vous parler aussi de l'Aventus Cologne, deux parfums qui se rapprochent beaucoup. Et du coup, je vais vous parler du premier parfum de la maison Nishan Hasiva. C'est la première fois que je vais vous parler de cette ligne, un extrait de parfum. Donc, du coup, je vous fais cette vidéo maintenant. Il fait encore froid, mais bon, je sais qu'on se prépare pour l'été et certains parfums, en fait, on ne les achète pas sur un coup de tête. C'est des parfums assez onéreux. Et du coup, naturellement, quand on se dirige vers la niche, quand on commence à chercher un parfum d'été ou de printemps, naturellement, on se tourne vers Creed Aventus. C'est les premières recherches qu'on fait. On essaie de comparer par rapport à d'autres parfums. Donc du coup, en tout cas, c'est ma démarche personnellement. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce parfum-là avant de sauter sur une bouteille. Le Creed Aventus, un parfum incontournable, très célèbre, que quasiment tout le monde connaît. C'est un parfum en fait chypré et fruité qui est sorti en 2010. C'est un parfum qui est fait par Olivier et Erwin Creed, qui est sorti en 2010. Super beau parfum. Note de tête. On a de l'ananas, de la bergamote, de la cassis, de la pomme. Super belle fragrance. Les notes d'ouverture sont excellentes. Ce parfum sent vraiment très très bon. De toute façon, c'est des commentaires comme ça que vous verrez sur ce parfum-là. Vous aurez très peu de commentaires négatifs par rapport en fait à l'odeur du parfum. En note de cœur, on a du bois, on a du bouleau, c'est une note boisée, on a du patchouli, du jasmin, de la rose. En note de fond, on a du musc, on a de la mousse de chêne, on a de l'ambre gris, on a de la vanille. Parfum très riche, très bien composé, super belle fragrance, mais vraiment un très très beau parfum. Il sent mais vraiment un super bon, c'est un parfum canon. C'est un véritable game changer. C'est un parfum qui a influencé beaucoup la parfumerie en fait, et la parfumerie commerciale et la parfumerie de niche. Il y a d'énormes copies en fait de Creed Aventus. Quand je dis copies, c'est des parfumeurs qui font des parfums en s'inspirant de celui-là. Certains en fait font quasiment des copies conformes de celui-là ou même ces copies sont meilleures parfois en fait au Creed Aventus. C'est un super beau parfum. Le sillage, il est présent. Pendant les premières heures où vous mettez ce parfum, le parfum, il est très présent. Vous le laissez dans les pièces où vous passez. Il a une tenue correcte entre 6 et 8 heures. Et il est parfait en été. C'est la saison idéale pour porter ce parfum. Mais moi, personnellement, quand j'ai eu ce parfum, je l'ai porté vraiment sur toutes les saisons de l'année. Et c'est vraiment un parfum exceptionnel. Je n'ai eu que des compliments. C'est un aimant à compliments, par contre. Quand vous le mettez, vous ne faites qu'attirer des compliments. C'est un super, 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 super beau parfum. C'est un parfum intemporel de cette ligne. Il est vraiment super beau, ce parfum-là. Il se porte à toutes les occasions, au boulot, mais vraiment à n'importe quelle occasion, vous pouvez porter le Creed Aventus. Très très belle fragrance. Après, mon avis personnel sur ce parfum, c'est un parfum que j'ai aimé, mais par contre, c'est un parfum que je ne vais pas renouveler en fait. Je ne pense pas le renouveler dans les années à venir. Peut-être, je ne sais pas, dans plusieurs années, mais bon, dans les années à venir, je ne pense pas que je vais renouveler ce parfum-là parce qu'il y a des alternatives beaucoup plus crédibles. Et du coup, je suis légèrement déçu par rapport à la performance de ce parfum. Pour moi, un parfum de niche, c'est un parfum qui a une excellente tenue, en fait. C'est l'une des qualités d'un parfum de niche doit avoir. Et sur les dernières versions du Creed Aventus, c'est pas le cas. Si vous vous attendez à un parfum qui tienne des jours sur vous, c'est pas celui-là en fait. C'est pas vers celui-là que vous devriez vous tourner. Donc clairement, c'est en termes de tenue, c'est pas trop ça. Et voilà, il y a beaucoup beaucoup d'alternatives aujourd'hui au Creed Aventus et des alternatives qui sont très très bien faites. Le deuxième parfum de Aventus que je vais vous présenter, c'est le Aventus Cologne. Qui est là, j'ai un échantillon de ce parfum-là. Il sent super bon. Wow.
Ce parfum-là, c'est un aromatique fruité, pardon. Il est, disons, la principale différence avec le Creed Aventus classique, c'est celui-là, il est beaucoup plus aéré en fait. Il est moins sucré, il est moins corsé. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aimer ça. Si vous aimez les parfums légers, je trouve qu'il est beaucoup, beaucoup plus léger. En note de tête, on retrouve de l'eau, de l'orange, du gingembre, du poivre. En note de cœur, on retrouve du vétiver, du patchouli, du bois de santal. En note de fond, on retrouve du musc, du bouleau, de la fève de tonka et du styrax. Très belle fragrance en fait, je sens le côté beaucoup plus corsé. J'ai encore les notes de tête du Creed Aventus sur cette parfum-là et celui-là. Et là, j'ai quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aérien. C'est quelque chose qui se porte facilement en fait. Donc du coup, je vois pas de nouveauté, je vois pas de différence en fait percutante qui vont me pousser personnellement à aller acheter en fait une bouteille du Creed Aventus Cologne. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Niveau odeur, rien à dire, ils sont super bons. Quand vous sentez les deux, vous serez vraiment dans un énorme embarras de choix pour choisir entre le Creed Aventus normal et le Aventus Cologne. Mais c'est juste que je trouve celui-là qu'il est beaucoup plus léger en termes de performance, c'est pas trop ça. Disons, je me suis pas totalement parfumé. La seule fois où j'ai vraiment mis ce parfum, je suis allé dans un magasin, je me suis parfumé en fait avec cette odeur-là. Et du coup, je me rappelle pas avoir été impressionné par la tenue du parfum. Et pour moi, en fait, clairement, Creed a raté une occasion en fait de se démarquer par rapport à la ligne Aventus. Et naturellement, vous savez, les maisons de parfum, Creed a été vendu, je pense, je me rappelle plus en quelle année. Donc, et du coup, en général, en fait, quand les marques, quand les maisons mères, entre guillemets, ou les créateurs vendent leur maison de parfum à d'autres, à des investisseurs, en général, c'est pour faire de l'argent. Et directement, en fait, l'un des premiers réflexes, en fait, qu'ils ont, c'est de créer, en fait, des lignes du parfum qui marche le plus. Et du coup, c'est comme par exemple, je sais pas, vous prenez un bleu de Chanel, vous avez l'eau de toilette, vous avez l'eau de parfum, vous avez le parfum. Et là, moi, je pense que le Aventus Cologne, ça rentre clairement dans cette ligne, en fait. C'est juste un autre flanqueur, en fait, du Creed Aventus normal. Les deux parfums sentent super bon. Ils sentent vraiment bon, en fait. Si vous cherchez un parfum qui sent bon, vous allez facilement vous contenter de ces deux-là, mais pour moi, en termes de performance, c'est pas trop ça en fait. Pour si vous cherchez vraiment un parfum de niche, ça manque en fait. Il y a un petit manque. Ça manque de quelque chose en fait. Ces deux parfums-là. Je les ai aimés. J'ai eu énormément de compliments avec le Creed Aventus, mais vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de compliments avec ce parfum-là. Si j'achetais un parfum juste pour avoir des compliments, c'est une bouteille que j'allais renouveler et prendre le format 250 ml, mais je cherche plus que ça en fait dans un parfum. Donc du coup, en résumé, les deux parfums Creed Aventus et Aventus Cologne, ce sont de très belles fragrances qui sentent bon, mais en termes de performance, c'est pas trop ça. Et par rapport aux alternatives qu'il y a aujourd'hui sur le marché et surtout sur la parfumerie commerciale, c'est pas des parfums que je conseillerais en fait, surtout si vous n'avez pas les moyens en fait d'acheter en fait beaucoup de parfums quand vous voulez. Donc du coup, je vous conseillerais en fait d'essayer de les sentir en échantillon et d'essayer de les comparer avec d'autres parfums de la parfumerie commerciale. Par exemple, il y a une très belle alternative à ces deux-là. Il y a le Dior Sauvage en version parfum. Ce Dior Sauvage, j'ai eu deux belles bouteilles de ce Dior Sauvage, des bouteilles de 100 ml que j'ai fini, mais bon, je ne les ai pas encore renouvelées. Mais par contre, c'est une super belle fragrance en fait. C'est pas exactement la même chose, mais c'est des parfums qui sont beaucoup, beaucoup similaires. Limite, j'ai une préférence pour celui-là. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis allé en Guinée il y a quelques années, c'était en 2019, je crois. Et j'avais ma bouteille de Creed Aventus et j'avais un autre parfum de Dior Sauvage en version parfum. C'est un pays où il fait chaud et humide. Donc du coup, les parfums ont du mal à tenir en fait dans un environnement humide comme ça. Donc mon Creed Aventus, il me tenait à peine 1 ou 2 heures quoi en fait. Et le Dior Sauvage, je le mettais, je sentais mais vraiment toute la journée en version parfum. Ils sont vraiment hyper bons. Franchement, pour un conseil, si vous êtes serré au niveau du budget. Et si juste, même quand vous n'êtes pas serré au niveau du budget, je vous conseille clairement en fait, d'aller vers un parfum commercial tel que le Dior Sauvage en fait, en version parfum. Je conseille très peu en fait d'aller vers la parfumerie commerciale, mais je pense que si vous voulez dans cette ligne-là, Aventus en fait, je pense que celui-là il peut faire le boulot en alternative en parfumerie commerciale en fait, qui est moins cher et qui fait le boulot, et à le Dior Sauvage aussi. C'est une belle alternative.
Je suis pas en train d'essayer de descendre en fait ces crues d'aventure. Je trouve juste que en termes de performance, je suis assez mitigé. Et le troisième parfum que je vais vous présenter, qui est en ce moment présenté comme le parfum, le nouveau Creed Aventus, ou le parfum qui remplace en fait le Creed Aventus, pardon, c'est Nishan Hashiva. Nishan, c'est une maison de parfum turque. Donc le Hashiva, c'est un parfum, j'ai entendu énormément de battages médiatiques en fait sur celui-là. Et par curiosité, je suis allé, j'ai pris un échantillon chez Yovoy. Donc du coup, pour tester, parce qu'en fait, je ne voulais pas sauter directement et acheter une bouteille, j'ai pris quelques échantillons de la marque. J'ai pris le NI aussi, le Fire Your Flame, j'ai oublié le nom exact de ce parfum-là. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter celui-là. Ah là là, c'est exactement la même ouverture en fait que le Creed Aventus. Il y a quasiment pas de différence. Vous avez les mêmes odeurs. Je vais mettre un petit switch ici. Oh, là. C'est exactement les mêmes odeurs. C'est exactement les mêmes odeurs en fait. Et par contre, la seule différence, c'est que celui-là, c'est un extrait de parfum. Le Hashiva, il est super beau. Mais vraiment, en termes d'odeur, c'est 10 sur 10 pour les deux, juste pour l'odeur. Mais en termes de performance, rien à dire. Le Hashiva, il est largement meilleur. Si vous cherchez, si vous n'avez pas envie de prendre un parfum commercial et que vous cherchez un parfum de l'équivalent de Creed Aventus avec une meilleure qualité, c'est clairement le Hashiva que je vous conseille. C'est un parfum qui est super beau. C'est en cyprès aussi. On a note de tête de l'ananas, de la pamplemousse, de la bergamote, les mêmes notes fraîches en fait du début du Creed Aventus. On a note de cœur, du cèdre, du patchouli, du jasmin. En note de fond, on a de la mousse de chêne et des notes boisées. Je pense qu'il y a d'autres notes en fait qui n'ont pas décrit dans la description commerciale. Mais par contre, moi je ne ressens aucune différence. La seule différence, c'est que en été, quand il fait très chaud, en fait, c'est le parfum qui va tenir. C'est un parfum qui aura une superbe tenue. Si vous avez envie de sentir bon, super toute la journée et vraiment d'avoir une odeur forte et présente, donc je vous conseille clairement le Hashiva, qui est pour moi, c'est vraiment le nouveau Creed Aventus en termes de qualité. Je n'ai pas connu les premières versions de Creed Aventus, c'est-à-dire les versions sorties en 2010. Parce qu'en 2010, je ne connaissais pas Creed Aventus, mais d'après en fait les retours de ceux qui ont eu les premières versions, c'est à peu près comparable à ce niveau-là. Mais bon, mais en termes de qualité, le Hashiva, il est vraiment, vraiment meilleur. Je ne vais pas le prendre directement, le Hashiva, parce que en ce moment, j'ai pas mal de beaux parfums fougères ou de parfums fruités qui font largement le boulot. Il y a vraiment beaucoup de parfums en ce moment, disons, dans cette ambiance-là. Donc, du coup, j'attends avant de sauter vers celui-là. Mais par contre, je vais garder l'échantillon parce que voilà, à un moment donné, une fois que toute ma ligne de parfums frais commenceront à se terminer, je vais essayer de renouveler certains et d'autres, je ne vais pas les renouveler. Et sûrement, je sauterai à l'époque sur le Hashiva. Très, très belle fragrance. Mais parmi ces parfums-là, si je dois vous conseiller quelque chose, c'est le Hashiva. Et si vous, en termes de budget, vous êtes un peu limité, en fait, je vous conseillerais d'aller vers le Dior Sauvage en version parfum. Après, il y a aussi un parfum aussi qui se rapproche beaucoup du Creed Aventus, c'est le Mancera Cedrat Boisé. Très, très belle fragrance aussi, qui est très, très proche du Creed Aventus. Ce n'est pas des fragrances... Je dirais pas que c'est des copies conformes, mais par contre, c'est des parfums qui se rapprochent beaucoup, beaucoup. Et disons, j'ai même une préférence pour le cédrat boisé, parce que le cédrat boisé, il est frais, il a ce côté frais. Il est boisé, un peu comme le Creed Aventus. Et en termes de performance, il a une meilleure performance en fait par rapport au Creed Aventus. Rien à dire. J'ai testé les deux. Là, la bouteille de Creed Aventus, elle est quasiment au fond en fait, parce que j'ai vraiment utilisé ce parfum. Et celui-là aussi, vous voyez la quantité qui me reste, je l'ai utilisé. Donc, du coup, je peux les comparer et je trouve clairement qu'en termes de performance, celui-là, il est meilleur. Et en général, en fait, quand on cherche un parfum de niche, je pense que la qualité, beaucoup d'entre vous recherchent la qualité au-delà de l'odeur. Donc, du coup, mon petit conseil, c'est tester le Hashiva de Nissan. Vous pouvez avoir un échantillon sur Yovoy. Testez le Dior Sauvage en version parfum et testez le Mancera Sidra Boisé. Ces trois parfums-là,
facilement faire en fait l'affaire avec le cri d'Aventus. Mais bon, si vous êtes un gros curieux et que vous avez envie quand même de tester le cri d'Aventus, allez-y. Vous n'allez pas être déçu par l'odeur. C'est un très beau parfum qui sent très 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 bon. Vraiment, il sent très bon le cri d'Aventus et l'Aventus Cologne. Mais en termes de performance, pour moi, c'est pas trop ça. Et un autre petit conseil en fait de parfum, c'est que là c'est un petit parfum que j'ai acheté il y a quelques temps en fait dans une épicerie orientale qui s'appelle Musk Spicy. C'est des petits parfums qui coûtent 2 euros, mais par contre qui ont une superbe odeur. En fait, moi je les mets sur mes poignets en général avant de mettre en fait mon parfum, et du coup c'est quelque chose qui sent super bon. Là j'ai un musc qui est presque pur. C'est que du bonheur quoi. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner à ma chaîne. À plus pour une nouvelle vidéo.